On est de retour sur notre petit jeu de pêche avec des créatures aussi. Des tentacules, on aime bien ça. Donc on va continuer. On a décidé de faire encore un petit épisode. Voir si on pouvait trouver des choses, augmenter notre bateau et tout ça. Et on va décider si vraiment ça vaut le coup de continuer vraiment. Donc voilà, on en est là. On en est là, tout simplement. Donc il nous faut plein de points de recherche. Ça c'est un peu le problème. Il faut quand même 4 là, un point là, ça fait 5. On a encore 3, 2 et 2. Le moteur, on a fini. Et là, on en a encore 5 aussi à mettre. Donc, il nous faut beaucoup, beaucoup de points de recherche, honnêtement. Peut-être un peu trop. Et après, il faut qu'on augmente notre bateau. On a encore plein de choses à débloquer. Donc ouais. On va se balader un peu. On va voir si on... Waouh, la musique est très forte. On va voir si on trouve des choses. Non, ça c'est de l'argent, on s'en fout. Métal. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. On va essayer de débloquer ce qui nous manque. Je me demande si ça va être suffisant un épisode. Après, si c'est très très redondant, comme j'ai dit, on va arrêter. J'en avais déjà parlé le dernier épisode. Attends, il y a le vent qui me mène quelque part. Le vent me mène quelque part, mais des fois me montre des choses qu'on a déjà vues. Je vois un truc à droite. Ah ! Un hôtel apparaît. Trois créatures semblables à des crabes. Ok, trois crabes. Ok, alors attendez. Par contre, faut que je le note où c'est. Très bien. Je pense qu'il y a une dalle, en fait, à chaque endroit des îles. Mais je sais pas si on a fait tous les endroits. Alors, dalle, crabe en P3. Parce que moi, j'en ai deux de marqués. Pierre avec les requins, les poissons difformes. Maintenant on a les crabes et après on a la toute première qu'on avait faite, ça je l'avais pas marqué, mais c'était la toute première qu'on avait trouvée. Donc des crabes, intéressant. Bon bah voilà, on a déjà trouvé un truc dès le début, bon c'est bon signe. C'est bon signe. Ah, la recherche. Boing. Donc des crabes dans les mailles du filet. J'ai eu un succès. On s'était arrêté là? J'imagine que oui. Quand, non. Ouais, ouais. Ok, donc crabe. On va récupérer tout ça. On va revenir à la pêcheuse et on va trouver les crabes. Faut aller doucement. Et si jamais il y a le machin qui arrive, il faut utiliser le bannissement. Ok. Ok, est-ce que je peux... faire encore un. Nique-toi! J'avais peur que ça arrive.
Trop gourmand, trop gourmand. On a perdu une planche. On a des planches aussi. Pour le moteur, très bien. Yes. Ok, plus qu'un bout de métal. Un bout de métal et du tissu. Et on est bon. Parfait, on avance. On va réparer tout ça. Voilà, très bien. Ouh! Pourquoi t'en as des fois et des fois non? Je comprends pas. Tu m'expliques? Ok, très bien. On a un gros filet. Ah, et par contre, lui, c'est... Oui, lui, c'est gros, gros filet, en fait. Ça, c'est un problème. On va débloquer celui-là, parce que ça, c'est océan filet. On n'a pas des océans filet. Alors attends, on a débloqué... on a débloqué moteur. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut faire avec les moteurs? Ça c'est le plus gros qu'on ait. Donc ça c'est la double hélice 72 KN. Kilomètres nautiques, c'est ça? Je sais pas. J'imagine du truc. Là on a... Comme ça. Est-ce qu'on peut... Genre, j'imagine qu'on met celui-là au centre. En fait, là. Et après, on met des petits comme ça. On fait 10, 10 l'un. Parce que là, c'est du 16 pour 2. Ou alors, on met deux moteurs à double propulsion. Ça ferait 40 et 40. Ça ferait 1, 2... Bah non, ça serait nul parce que... Putain, je sais pas compter. J'arrive pas à réfléchir, en fait. Non, ça ferait 40 et 40. Donc, on est à 80. Là, on est à 72. Mais ça prend 8 cases. Mais du coup, là, si on met deux petits, ça ferait 70 plus 10 plus 10. Non, non, mais y a pas photo, en fait. Hein. Faut mettre du double hélice et après du hydrojet partout. Hein. Y a pas d'autre solution, en fait. Enfin, c'est la meilleure solution. Par contre, je vais juste le mettre au centre. Après, on peut le mettre comme ça aussi. Et l'entourer d'hydrojet. J'aime vraiment pas comment c'est passé. Entrer et tout, ça me rend fou. Genre, je vois pas pourquoi on a deux points là. Pourquoi ils sont pas sur le côté? J'imagine que c'est pour faire différentes formes, j'en sais rien. Là, c'est 28. Enfin, ça fait 30, ça ferait 60 comme ça. Non, mais non, y a pas photo. Y a pas à chercher, en fait. Y a pas à chercher. C'est la meilleure des solutions. C'est ça. 123.8, il n'y a pas autre chose. Après, on pourrait faire comme ça. Attendez. Ah là là. C'est juste pour que ça soit plus joli. Enfin, je sais pas si c'est vraiment plus joli comme ça. Voilà. Mais ouais, c'est la seule façon que je vois et on est à 123.8. Je vois pas d'autre façon. Là, on serait. C'est 4, donc c'est 60. Non, on dépasserait pas les 100. Toi, tu serais. Toi, t'es à 56. Comme ça. Ah, mais toi, on peut pas en mettre 2. En fait.
Non, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, y a pas à chercher. On passe la nuit. Très bien. Donc on a dit qu'il nous faut du métal et du tissu. Et après on est bon. Alors par contre on a un nouveau filet. Par contre c'est un filet qui prend tout ça en case. Alors le mieux ce serait... Alors, attends, est-ce qu'on peut augmenter ça? C'est la coque. Ça c'est espace pour canne à pêche. Deux métal et un tissu. Bah du coup on va faire ça, comme ça sera fait. Deux métal et un tissu. Voilà. Tada! Donc fais voir le gros filet. Côte est au fond. Côte est au fond, on s'en fout un peu, je crois. Enfin, à la limite, oui, côté au fond, on s'en fout un peu, honnêtement. On s'en fout un peu. Ça me stresse que ce soit pas centré comme ça et que ça soit un peu n'importe comment. Ah là là. Ça me stresse. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait mettre deux types de filets en fait. On pourrait mettre ces deux-là côte à côte. Ah non, 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 pardon. On a que ça en filet. Donc, ouais. On pourrait mettre côté au fond en fait. Alors, désinstaller. Je fais des tests tout simplement. Temps d'installation 6 heures, 4 jours, rendement 12 par jour. Très bien. Donc, ça c'est pour côté au fond, ça c'est océan, abysse, machin. Donc là on a côte au fond. Alors celui-là si on l'enlève. Attendez, on va mettre un peu... Ah, c'est du Tetris et tout ça, honnêtement. Si vous aimez pas regarder ça, vous allez avoir un problème avec ce jeu. Surtout que moi, j'ai envie que ça soit bien fait. Donc du coup, ça va vite me prendre la tête. Alors, ça, on s'en fout. Donc, je voudrais mettre la nouvelle canne à pêche. Après, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des trucs intéressants, là? Océan, mangrove au fond. Abysse, grand fond. Océan, mangrove au fond. Océan, on a ça. Abysse, grand fond. Et ça, c'est... Ah, mais ça prend de la place, en fait. Oh mon dieu, ça va me rendre fou. Ça va me rendre complètement cinglé en fait. Oh là là. Si je mets ça. Et ça, je le mets comme ça. Et là, je peux pas en fait. Ça prend trop de place. C'est débile en fait ce. Ce truc, je le mets comment moi? Genre ça, je le mets comment? C'est inutile. C'est inutile qu'il y ait un trou comme ça. C'est complètement inutile. Non mais au final, cette canne polyvalente, elle sert à rien, c'est bon. Là on perd quoi? Là on perd au fond, abysse.
Non, on perd grand fond, abysse, océan. En fait, on perd tout, là. J'en ai marre. Donc, je peux pas enlever le treuil. Le treuil, je peux pas l'enlever. À cause de ce filet, ça nous fout dans la merde. Lui fait les côtes. Du coup, on n'a pas de côtes. On pourrait mettre ça. Ça fait côte. Voilà. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. J'ai envie de tester un truc. Je vais utiliser ça. On est à 538 vitesse de pêche. Juste pour tester. Oh la vache, ça va faire quoi? 5 minutes que je suis là-dessus, même plus. Ah oui! On voulait des crabes, nous. Oh mon dieu. Oh putain, c'est vrai qu'on est rapide. Hein. Vous voulez des crabes, pardon. Quoi que vous pouvez calmer. Crabe. Un peu. Trophée. Ah ouais, c'est sûr que ça marche bien avec ce machin là. C'est vrai qu'on va vite, hein. J'avoue. C'est pas extrêmement utile, hein, quand même. C'est juste marrant le fait que ça aille super vite, mais ça permet de aller à la limite de gaspiller moins d'heures en fait à pêcher. C'est ça. Bon, vu que ça, faut que j'arrive à faire des phrases, moi. Il faut qu'on ait envie de pêcher un truc bien précis en fait. C'est ça. C'est ça la différence. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est pas très utile. Oh, on en a deux des hauts fonds. On aurait pu la vendre. Que je passe du temps, parce que de toute façon on doit pêcher des crabes. J'espère que l'objet là qu'on va avoir, ça vaut le coup. Ok, il y en a qui font bip bip pour prendre. On a toujours les mêmes par contre.
Ok, on retourne voir. P3, c'est là. Faire le tour. Désolé, hein, je suis un peu. Là, j'avoue, à vous voir un peu tourner en rond et tout ça, on n'a pas fait grand chose. Je me suis pris la tête avec l'équipement dans le bateau. J'avoue. Faut en fait que je me mette dans la tête que on va peut-être pas pouvoir tout le temps récupérer tout au bon moment, à tout moment en fait. Parce que là on a un filet, maintenant on a un gros filet. Ce gros filet il prend de la place. Et bah du coup ça nous bloque tout simplement, on peut plus faire comme avant. Donc c'est pas grave. On fait avec. Ok, ça va. Ouh, Sébaste Mordeur. Ouh, ça a l'air dégueulasse ce truc. Ses yeux ni conscience. Quoi ? Sans yeux ni conscience. Seule la faim le guide. Faim qu'il assouvit plusieurs fois par jour. Alors là. Tu crois que c'est que des crabes comme ça ? Étonnant, hein ? Non, trois créatures semblables à des crabes. On peut en déposer là, de toute façon ils resteront frais au pire. Mais je pense pas que ça soit cela, ouais. Fais voir, il y a des crabes ici ou pas? Attends. Je me demande si c'est pas les gros crabes. Qu'on voit ailleurs là. Tazard tigre. Cool. C'est pour ça que je voulais un nouveau filet aussi. Ça permet d'avoir des espèces qu'on connaît pas. Parce que je pense pas qu'il y ait d'autres types de crabes ici. Vous savez les autres, genre crabe araignée, crabe machin, un truc comme ça là. Moi j'ai pensé à ça. Ok, c'est que du métal maintenant. C'est que du métal. Avec trois crabes comme ça, on remplit pas le machin. Hein. Ah ! Crabe décorateur, je crois qu'on l'a. Je crois qu'on a le crabe qui nous manquait. Pas me péter la gueule non plus. Il doit être là. Je crois qu'on l'a. Hop là, trois crabes tremblent. Leurs pattes se tordant à des angles étranges, bien qu'ils soient morts depuis longtemps, un pouvoir mystérieux contrôle leur corps. Les crabes se déplacent. Préparation requise. Gosier abyssal. Casier incroyable doté d'une immense mâchoire béante. Il avale tous les malchanceux qui le croisent. Ok, là ça c'est étrange.
faudrait enlever les pièges à crabes. Ça pollue, ça pollue la carte en fait. Il y en a partout. Je peux les jeter. C'est assez stressant de se balader sur la mer en fait. Comme ça quand de nuit là quand on voit strictement rien. Ok. Ça on revend. Donc ça, nous c'est quoi qu'il nous faut? C'est juste du métal, ok. Juste du métal. Non. Donc réparation requise. Hop, 12 jours. Du coup, il attrape quoi le machin? Ah, vous croyez? Ah non. J'allais dire, vous croyez que ça reste dans le casier? Quand on récupère les casiers? Apparemment non. C'est reparti. Bâton. Casier abyssal. Bon. On a fait le tour. Tant qu'on y est, on va aller récupérer des... récupérer les paniers à crabes qu'on a mis là-bas. Ça nous fait un peu bouger. On va regarder aussi s'il n'y a pas des trucs qu'on connaît pas, qui traînent vite fait. Okay, je vois rien. Qu'on mette le panier quelque part. Putain, on en a mis quand même des machins. Vache. on l'a pollué l'océan avec nos paniers. Les apamix, ça sert un peu à rien de les avoir dans l'inventaire, je suis d'accord. Je les garde juste au cas où, mais en fait, vu qu'on pêche pas vraiment pour le moment, c'est pas vraiment très utile.
Cette forme, elle est tellement inutile, ça me rend fou. Il faudrait du métal. On met le truc en plein milieu de la créature. Ça, vous en avez pas marre d'entendre la même musique tout le temps. Moi si. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? Bah, je sais pas. Il faut du métal, ça je sais. Je crois en fait qu'on a tout pêché. Avec canne à pêche et tout ça. Ce qui nous manque, c'est filet. Je crois que ce qui nous manque, c'est surtout filet. Chalut. Ouais, chalut. Ah, il y a quand même canne à pêche. Il y a encore quelques petites choses. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quasi à crabe aussi. Chalut, chalut, quasi à crabe. C'est dans l'océan. Poisson vipère, les moelles. Ah, on a quand même beaucoup de choses. On a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Découvert 107 sur 128. Je me vois pas tout faire, hein, honnêtement, parce que... Je me vois vraiment pas tout faire, parce que sinon ça va être un peu long. C'est pas vraiment un truc fun à faire en vidéo, je trouve. Je pense. Mais je veux bien débloquer le filet océan, en fait, comme ça on se balade dans l'océan. Allons voir! Ça doit être un ami! C'est pas le même bruit. Casse-toi. Eh oui, moi j'ai la puissance du... La puissance du livre avec moi. Aussi, il y en a. Bon, on va essayer de trouver du métal.
Je me suis décidé parce que là... Il nous faut 3 bouts de métal, je crois. On va essayer de trouver le métal qui nous manque. Comme ça, on fait la dernière mise à jour du bateau et je crois que ce sera la fin. Je sais pas trop où aller, en fait. Pour du métal. Faut aller où il y a des épaves, quoi. Je pense qu'on va faire ça. Et je crois que ce sera vraiment notre dernier épisode, par contre. Parce que là, bon, c'est pas très amusant. Même moi, pour moi, ça m'amuse pas des masses. Voilà, parce que si on doit, genre, remplir le Pokédex, là, c'est pas trop fun. C'est pas trop mon kiff en fait de remplir le Pokédex. Après, à la limite, faire. Faire les dernières améliorations du bateau, je dis pas non. Mais c'est tout. Bon, par contre, le. Non, mais ici, c'est un endroit de merde, honnêtement. Pour trouver du métal. On voit tellement rien. Ouais, non, c'est un endroit un peu pourri ici. Faudrait qu'on essaye le machin des abysses. Je veux bien le tester, genre à l'île principale. Genre là. Non, c'est pas ça que je fais. Gosier abyssal. Faudrait du métal. Ah, attends, j'ai un truc que je connais pas. Ah, métal. Dis-moi qu'on en récupère 3, honnêtement. Il m'en faut juste 3 et on a fini. Du coup, on va dormir, voir si le casier abyssal là, il récupère quelque chose d'intéressant ou pas. Alors, est-ce que ça a marché ou pas? Ah, ah, crabe violoniste. Métal, allons voir là-bas.
planche. On va voir aussi si on est allé. Merde. Pack d'explosifs par-dessus barrière. Si on est allé à toutes les îles, mais je crois. Pas de métal, oh là là. Ça. Yes. C'est bon. C'est bon, on a fini notre bateau. Tada! Parce que on sait jamais. Très bien. Pas mal comme ça, c'est bien. Donc on a fini notre bateau. Notre bateau est à fond. Notre bateau est complet. Il est complet. Et il nous faut encore beaucoup de points de recherche. Genre nettement trop de points de recherche. Ça par contre c'est un truc que j'aurais peut-être à me plaindre un peu. C'est que on a quasiment fait tout le jeu et on n'a pas assez de points de recherche. Genre la côte et océan. Et en fait il faudrait un filet océan. C'est le seul, c'est le dernier filet, c'est l'océan. Parce qu'il y a des choses. Si on a bien vu à un moment. Pas la carte, l'encyclopédie. Où ça dit, on peut les pêcher que avec les océans. Que. Non, on peut pêcher les trucs dans les océans que avec un filet. Genre chalut, canne à pêche. Bon, là on a les deux. Voilà, là par exemple, chalut et casier de crabe. Après, on peut faire des casiers de crabe aussi. Là par exemple, celui-là, chalut. Seulement chalut. Donc, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Je trouve. Bon. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si jamais on va au bord de la map, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on tombe? Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est bien, c'est pendant la nuit, c'est cool. Il va rien se passer de mal. Ok, je crois qu'on avance dans le vide en fait.
Ouais. On avance dans le vide. J'aime bien le fait qu'on voit le... On voit le phare en fait de n'importe quel endroit sur la carte. Ça, c'est sympa. Bon, on va rentrer. Je pense qu'on a fait le tour du jeu. C'est une créature. Ah non, tu disparais. Ouais, là on est complètement fou en fait. On est putain. Saloperie. Ça me fait toujours sursauter, cette merde. Ça me fait toujours sursauter. Ouais, on a la tentacule qui s'active quand on devient trop fou. Quelque chose se glisse dans votre calme. Visage tange devant vos yeux et vos... Oui, oui, oui. Oui, boire, forme, repos, attention, cauchemar. Ah, carrément, il parle comme ça maintenant. Ok. Passez devant lui en titubant pour rejoindre la ville. D'accord. On a eu ça. C'est ça aussi infecté... Qu'est-ce que ça fait exactement? Les choses infectées, ça se... Bah c'est moins cher hein, à la revente. Je crois que c'est ça en fait, c'est juste que ça pourrit votre vente. Je crois qu'il n'y a que ça en fait. Bon, on a fini les améliorations. Bon, ça va être notre dernier épisode, je pense. Y a plus grand chose à faire. Hein. Y a plus grand chose à faire. Hein. Vous voulez aller revoir la créature? Moi, je veux bien aller revoir la créature. C'est bon, let's go. La silhouette disparaît du miroir, un frisson vous parcourt l'échine. Quand vous tournez pour partir, le collectionneur est avec vous. Les écritures changent par rapport au fait que on a cassé en fait le reflet du collectionneur. Mais au final, c'est plus ou moins la même chose. Je pense pas que ça va changer. Après, est-ce qu'on pourrait... Si le collectionneur est avec nous, est-ce qu'on... Si on parle à la femme du phare, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Ah, vous avez vu, le temps ne bouge plus aussi. Peut-être qu'on peut même pas... amarrer, en fait. Ah, si... Rappel, votre partie ne sera pas sauvegardée sur ce quai. On n'a plus le temps. On doit retourner en mer immédiatement à l'ouest. Ah, on peut pas lui parler. Ok. En gros, ils nous disent que si jamais on pêche et tout ça et qu'on vend, ça sert à rien. Quoi. On peut pas parler à la femme. Oh, oh.
C'est là qu'elle nous a été enlevée. Allez. J'irai regarder un peu sur Google pour un peu plus de détails sur l'histoire du jeu. Mais je crois qu'on a bien compris ce qui se passait. C'est toujours une histoire d'amour qui fout la merde. C'est bien. J'aime beaucoup le visuel de genre de voir l'âme ou la femme, je sais pas en fait. Enfin, bref, qui revient. Et après on voit la créature petit à petit qui émerge. Honnêtement, c'est super stylé. Ce plan est vraiment bien fait. J'aime beaucoup ce plan-là. J'aime beaucoup ce plan-là. Je le trouve très très bien fait. Même le phare est détruit. Et ben voilà. C'est Dredge. Je pense que, ouais, on a fait 2 épisodes extra. On a récupéré... des objets, on a augmenté comment ça s'appelle, bateau au maximum. Ce qui manque en fait, c'est remplir le Pokédex des poissons. L'encyclopédie, je sais, hein, c'est une blague Pokémon au passage. Remplir les poissons, c'est à peu près tout en fait ce qui manque, c'est tout. Hein. Ah oui, après les recherches, mais honnêtement les recherches c'est très chiant. Je pense qu'ils auraient dû faire en sorte qu'on ait plus de recherches que nécessaire. Parce que là, j'ai l'impression que les recherches, en fait, elles sont vraiment pile-poil le nombre qu'il en faut. Parce que là, on n'en trouve quasiment plus. Donc j'imagine que c'est à des points bien précis, qu'on n'a pas vu, évidemment. Et il faut aller pêcher ces points-là pour récupérer des recherches. Parce qu'il nous manque encore au moins 10 de points, je dirais. Entre le dernier filet, la dernière canne à pêche et... tous les casiers qui manquent, je crois qu'on a une bonne 10aine de points de recherche. Et si on en trouve un toutes les heures, c'est bon quoi. Ça c'est un peu chiant par contre. Mais ouais. On va se dire au revoir. Si jamais, je vais regarder là maintenant. Je vais regarder sur internet s'il y a des choses à dire vite fait sur le jeu. Genre plus ou moins pour l'histoire et tout ça. Sinon, bah, ça sera tout. Et ça sera la fin de Dredge. Du coup, ça nous a fait quoi? 13 épisodes, je crois, en tout. C'est un petit jeu, c'est sympa. J'aurais préféré que ça soit genre presque illimité, un peu comme The Long Dark. Vous savez, une survie et tout ça. Mais bon, c'est pas fait pareil, il y a une histoire et tout. Donc c'est normal qu'il y ait une fin. Tout a une fin, de toute façon, évidemment. Donc ouais, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, j'espère que ça vous aura plu, cette petite playlist de Dredge. Et ouais, portez-vous bien. Ciao, ciao.